tout être vivant possédant deux oreilles peut percevoir le son en relief, c'est-à-dire en localiser sa provenance. Nous parlons alors de stéréo, du grec stéréos, qui signifie relief. L'écoute stéréophonique repose donc sur la reproduction du son à l'aide de deux haut-parleurs diffusant deux signaux légèrement distincts. Pour une écoute optimale, la recommandation internationale préconise un angle d'écoute de 60 degrés, ce qui suppose que l'auditeur se place au sommet du triangle équilatéral formé avec les deux enceintes. Un son peut être localisé soit par différence de temps, soit par différence d'intensité. Une différence de temps se caractérise par un décalage temporel nommé déphasage entre les deux signaux. Une différence d'intensité se caractérise, elle, par une différence de niveau. Paradise cannot refuse us. Si on introduit un retard progressif de 0 à 1 milliseconde sur l'un des deux canaux, on entend le son se déplacer jusqu'à localiser la source provenant de l'une des deux enceintes. Afin d'effectuer une prise de son avec un couple stéréophonique construit uniquement sur le principe de la base de temps, appelée prise A-B, il sera indispensable d'utiliser deux microphones non coïncidents et de directivité omnidirectionnelle. For you, for me, si on introduit une atténuation progressive de 0 à 20 décibels sur l'un des canaux, on entend le son se déplacer jusqu'à localiser la source provenant de l'une des deux enceintes. D'ailleurs, le réglage du panoramique présent sur toute table de mixage permet d'arriver à ce résultat même à partir d'une prise de son monophonique. Afin d'effectuer une prise de son avec un couple stéréophonique construit uniquement sur le principe de la différence d'intensité, appelée prise XY, il sera indispensable d'utiliser deux microphones coïncidents et directifs, généralement cardioïdes. On pourra arriver à un résultat équivalent en superposant un micro bidirectionnel et un micro directif afin de créer un couple de microphones nommé MS. Cet ensemble nécessitera un matrissage qui consiste à effectuer les sommes et différences des deux signaux. Canal gauche correspondant à M plus S, canal droit M moins S. En utilisant une paire de microphones directifs et en les plaçant de façon non coïncidente, la prise de son stéréo réalisée associera les principes de la base de temps et de la différence d'intensité. C'est par exemple le cas pour le couple ORTF. Quel que soit le procédé utilisé, la distance et l'angle formé par les deux microphones va influencer l'angle utile de prise de son. Afin d'optimiser la qualité de l'enregistrement, l'ouverture du couple microphonique devra être choisie judicieusement pour retrouver la position de chaque musicien et trouver le bon rapport entre son direct et son réverbéré. Il existe plusieurs outils, dont celui proposé par Neumann, nommé Recording Tools, qui permet de connaître l'angle utile de prise de son en fonction de l'angle physique entre les microphones. Mais la règle à retenir est celle-ci. Lorsque l'on augmente l'angle physique des microphones, on réduit l'angle utile de prise de son et inversement. Lorsque l'on augmente la distance entre les microphones, on réduit l'angle utile de prise de son et inversement. En fiction. La prise de son stéréo en fiction, ça se passe comment ? Alors, on va dire pour dans la plupart des cas, la technique utilisée quand on est amené à faire une prise de son stéréo sur un plateau de tournage en téléfilm, ça sera le MS. La raison principale, c'est que la prise de son MS a une compatibilité mono qui est 100%, puisqu'on peut se contenter de ne garder que le cardioïde. L'autre avantage qui pour nous est prépondérant, c'est qu'on donne au mixeur la liberté de pouvoir élargir l'espace sonore au maximum ou au minimum en fonction de ce qu'il recherche. Avec le couple MS, on pourra jouer sur la stéréo alors. Mais sur le tournage, ça se passe comment ?
En ce qui concerne le tournage en lui-même, quand il y a de la comédie, comme on enregistre en multipiste, effectivement, on peut être amené à poser un couplet mess dans un endroit de la pièce où les comédiens jouent, mais ça ne sera jamais notre micro principal. C'est-à-dire que ce micro permettra d'aérer la prise, de mettre un peu de largeur stéréo, mais la précision du texte sera toujours donnée par ce type de micro, micro canon, micro hypercardioïde. C'est vraiment ces micros-là qui vont être prépondérants dans la retranscription de la précision de la voix de l'acteur. Alors, si je résume, les comédiens, on les prend en mono. Et la stéréo, c'est du plus ? Nous, notre problématique principale, c'est vraiment de privilégier les voix des comédiens qui sont bien souvent au centre, au final, dans le mix. Hein. Et ensuite, d'habiller ces voix des comédiens par les effets, par la musique. Et là, effectivement, on peut avoir des choses qui sont en stéréo ou éventuellement en double MS ou en multicanal, mais ça sera que des effets. Au théâtre. La prise de son stéréo au théâtre, ça se passe comment ? Je mets un couple stéréo, il y a une passerelle en milieu de salle. J'ai un système de fixation pour m'attacher sur le tube de la passerelle. Et c'est un couple RTF. Et il y a 3 ou 4 micros en avant-scène sur le proscenium. Et tout est enregistré et c'est remixé après. Voilà, c'est pas mixé en direct. C'est-à-dire que tous les micros sont allumés et c'est remixé après. Quand on enregistre avec un couple stéréo, on a la stéréo d'origine, c'est vraiment ce qu'on entend dans la salle. Alors que quand on enregistre en multipiste, avec 10 micros par exemple, après on peut recréer une fausse stéréo. Tout ça, ça peut être fait au mixage. Utilises-tu parfois des micros d'appoint ? Parfois, sur certaines pièces, on a des micro-cravates sur les comédiens. Et on a aussi un couple en salle, donc pour reprendre l'ambiance du spectacle. Parce que si on n'a que le micro-cravate du comédien, le public est trop lointain, on n'entend pas les applaudissements, les réactions du public. Pour toi, un bon enregistrement, c'est quoi ? Un bon enregistrement, pour moi, c'est quand on réussit à percevoir dans l'enregistrement la place de chaque instrument. Et essayer de sentir à gauche, à droite, vraiment avoir une spatialisation des musiciens. En musique acoustique, la prise de son stéréo en musique acoustique, ça se passe comment ? Elle démarre vraiment de l'écoute. Je me balade face à la source. J'essaie déjà de trouver le bon rapport, j'en dirais, sur un verbéret, donc la distance à la source. Une fois que je l'ai, je regarde la source, je regarde la largeur qu'elle fait. Donc voilà, ça détermine un angle de prise de son. Une fois que j'ai cet angle de prise de son, je détermine l'angle entre les micros pour avoir un minimum de distorsion angulaire. Et ensuite, je vais plus ou moins haut pour avoir plus ou moins de profondeur. Si j'ai un quatuor à cordes et que je veux donner beaucoup de profondeur, je vais plutôt avoir tendance à baisser. Et si un orchestre symphonique est trop large, je vais avoir tendance à monter. Et pour toi ? Quand je vais faire une installation pour une prise de son dans une salle de concert, je vais d'abord aller écouter cette salle. Alors, en ce qui concerne les enregistrements musicaux, là, j'utilise beaucoup le couple AB. Mes micros sont parallèles. Ils sont directement face à l'orchestre. Et je vais l'installer pas trop haut, derrière le chef, un petit peu plus en hauteur que le niveau de ses oreilles. Donc, à peu près, on va dire, 3-4 mètres de hauteur vers l'avant-scène. Et il va s'incliner à 45 degrés, il va taper vers l'avant de l'orchestre, en fait. Parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir une transitoire de l'avant de l'orchestre qui va arriver directement en face du micro. Parce que notre micro omnidirectionnel, il a beau être omnidirectionnel, comme son nom l'indique, mais il a un effet transitoire notable. Utilises-tu parfois des micros d'appoint ? J'en étais arrivé à certains moments à me dire pourquoi pas essayer de faire une prise de son uniquement avec un couple. Ce que j'ai fait plusieurs fois, avec plus ou moins de bonheur, c'est-à-dire que bon, j'ai eu des résultats intéressants, mais quand même, je me suis rendu compte au fil du temps qu'il y avait quelque chose qui manquait. Il y avait certaines œuvres dans lesquelles, par exemple, il y a une harpe ou un célesta, où là, je vais être un petit peu embêté parce que on va manquer de précision sur des instruments qui n'ont pas forcément toujours le volume suffisant pour que notre vision audio de l'orchestre soit complète. Donc, j'ai décidé d'utiliser un certain nombre d'appoints
tous ces appoints, ça fait beaucoup de micros. C'est pas toujours facile à gérer parce qu'on on veut pas perdre et détruire notre image sonore que le couple nous a donnée. Donc il va falloir qu'on recherche à les utiliser sans trop les amener à venir affecter l'image sonore du couple principal. Donc ça va être un gros travail sur les gains, ça va être un gros travail sur le positionnement des micros. On va un peu faire du surligneur sur certaines zones de l'orchestre, en fait. Il ne faut pas oublier qu'on a une oreille, et c'est quand même notre oreille qui va nous guider pour savoir là où on va et comment on doit moduler nos réglages. Et en ce qui te concerne ? Déontologiquement, on m'a toujours dit, notamment Albert Laracine, puisque j'en parlais tout à l'heure, voilà qu'il ne fallait absolument jamais mettre d'appoint parce que ça crée évidemment des problèmes de filtrage en peigne. Dans la pratique, aujourd'hui, j'en mets pour plusieurs raisons, parce que je trouve que l'écoute a un petit peu changé. Quand on veut respecter quelque chose de très acoustique, ça m'est arrivé l'an dernier, je faisais des réceaux artistiques sur une captation d'opéra à l'opéra de Rouen. C'était sur du baroque, c'était Didon et Aîné. Le chef d'orchestre voulait quelque chose qui soit très, très naturel, qu'on n'entende pas de micro ni rien, sauf que quasiment sur chaque mesure, il fallait rétablir des équilibres. Et donc pour ça, il faut absolument évidemment des micros d'appoint. Alors pour toi, une bonne prise de son, c'est quoi ? On m'a appris à dissocier le message artistique du message purement technique, quoi. Mais globalement, si je devais retenir un seul critère, c'est le critère pour moi artistique, c'est la lisibilité du discours du compositeur. Donc moi, ce qui m'intéresse quand j'enregistre un orchestre musique classique, par exemple dans une salle de concert, c'est de retrouver un volume sonore, un timbre de qualité, riche, que des graves aux aigus, on ait vraiment une grande richesse sonore et aussi qu'on ait une profondeur. Je crois que la prise de son qui va me toucher, qui va vraiment, dont je vais avoir envie de dire celle-là, elle est différente des autres, elle est mieux que les autres, ce sera cette prise de son que je vais pouvoir écouter les yeux fermés, qui va me faire attraper des frissons, qui va me faire rêver, en fait. Donc, en résumé, la stéréo pour toi ? La stéréo, l'avantage, c'est que c'est basique, on va dire, mais c'est ça, si une prise de son stéréo bien faite, elle peut vraiment nous ravir à un point, à un niveau incroyable. Et ça, je crois que je m'en lasserai jamais. Et c'est facile à mettre en place. Ce que j'aime dans la prise de son stéréo, c'est le rapport vraiment charnel et direct au son. On se dit pas, on verra au mix, on va faire ceci. Non, enfin voilà, on a un rapport direct avec la musique, un peu comme quand on la joue. En fait, c'est bon ou c'est pas bon. C'est à l'auditeur d'avoir peut-être une écoute un petit peu plus active. Et de plonger dans le son qui est proposé par cette prise de son. Alors que la prise de son multimicro, elle permet plein de choses. Elle permet de dire voilà ce qu'il faut écouter. Elle montre du doigt. Elle est plus dans l'air du temps. Et elle me plaît bien aussi. Hein. Mais je trouve qu'elle rend l'auditeur un petit peu fainéant. Voilà.